Bonjour à tous les ninjas, c'est Miskachok, bienvenue sur le jeu GTA V et aujourd'hui je vais faire vraiment une toute petite vidéo juste pour vous expliquer que si vous faites trop de conneries, c'est-à-dire si vous pétez trop de voitures adverses customisées aux adversaires ou vraiment que vous êtes mauvais joueur, vous allez être bloqué dans un salon exprès pour mauvais joueurs. Regardez dans la liste, il n'y a que des gens avec un bonnet et quand vous essayez de rejoindre un de vos amis. Ça met. Attendez, on va essayer de rejoindre un gars sur GTA 5. Bon, pardon, lui. On va se mettre rejoindre la session. On va essayer. Oui. Vous allez voir que je pourrai pas parce que le jeu me considère comme un tricheur. Il veut pas que je rejoigne une partie normale. Alors, si vous voulez. Pas être bloqué pendant 24 heures parce que la punition dure 24 heures, le bannissement dure 24 heures. Si vous voulez pas être puni, bah vous trichez pas et vous faites pas exploser les voitures des autres. Regardez, la session que vous essayez de rejoindre est réservée aux joueurs qui ne sont ni des tricheurs ni des mauvais joueurs. Vous êtes un mauvais joueur, accès à une nouvelle session GTA Online et ça va m'envoyer dans la session des mauvais joueurs. Alors voilà, c'est une petite vidéo d'information. Si vous voulez pas être banni de vos amis, parce que sachez que vos amis, s'ils sont normaux, et vous, mes joueurs, vous pouvez pas les rejoindre. Vous pouvez pas faire des courses ni des missions. Pourtant, les missions, vous pouvez pas tricher, les courses non plus. Vous pouvez pas. Vous jouez qu'avec des mauvais joueurs. Et sachez que dans les mauvais joueurs, les gens font pas des courses. Le but, c'est de se buter. Tout le monde, parce que ils ont été là, c'est pour une raison, parce qu'ils tuent tout le monde. Et le but, c'est se buter. Et c'est vraiment dur. La première fois que j'étais, bah, hier soir, je suis mort au moins 10 fois. J'avais plus de thunes, plus rien. Ils m'ont coupé l'eau, l'électricité de la baraque. Du jeu. Et par contre, alors, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire des missions. Faire les missions qu'on vous envoie, comme ça vous êtes isolé et vous pouvez survivre ou débraquage ou rester chez vous. Attendre 24 heures. La punition dure 24 heures. Bon, bah voilà, c'était juste pour vous dire ça. Si vous voulez pas être isolé avec des gens comme mon fou allié. D'un côté, j'adore parce que combien de fois je les ai niqués. Ils m'ont niqué la première soirée, mais là, toute la journée et cette soirée-là, j'ai bien rigolé. Et ben voilà, pétez pas leur voiture et tout ça, et tout sera normal. Moi, c'est une petite vidéo simple. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, portez-vous bien et que la lame sacrée soit avec vous. Et je vous laisse avec le petit chapeau de Dan, le chapeau d'âne. Pourtant, c'est pas un vrai chapeau d'âne, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, ciao tout le monde.